avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est. Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien. C'est ici, à Roquebrune Cap Martin, sur la petite plage de Cabé, que Jacques Brel, au sommet de sa gloire, va venir vivre de 1960 à 1970. Le plat pays et quelques-unes de ses plus belles chansons ont été composées pendant cette période. En venant s'installer ici, Jacques Brel est définitivement passé du gris de sa Belgique à la lumière des golfes clairs de la Méditerranée. Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Roquebrune, pour moi, c'est vraiment un souvenir extraordinaire. Une maison difficile d'accès, un peu cachée. Donc déjà, quand on est enfant, on se dit que ce n'est pas facile, ça va être un secret. Et donc, il y avait cette allée qui longe les voies du chemin de fer, où il y avait 1000 fleurs, 1000 senteurs. Moi, je n'avais jamais vu un cactus de ma vie. C'était, il faisait chaud, tout avait une autre couleur. On arrivait devant une petite grille et là, il fallait descendre tous ces escaliers. Il fallait vraiment le mériter d'y aller à Roquebrune. Mais quand on était là, on ne bougeait plus. Et là, au-delà du jardin, parce que dans mon souvenir, il y a le mur du jardin, au-delà du jardin, il y a quelques marches et c'est l'infini. Et c'est très étrange parce que pour moi, Roquebrune, même s'il y avait des gens qui venaient là, bien évidemment, sur cette plage, j'ai un souvenir de plage déserte. Il n'y a personne. Je restais des heures et des heures dans l'eau. L'horizon n'était jamais le même. C'est un goût de liberté. C'est la nature, c'est le temps qui s'arrête. Ça a duré 2 ans, 2 étés. C'est un endroit extraordinaire que je n'oublierai jamais. France et ses sœurs n'y reviendront plus. Jacques Brel et Mich, sa femme, se sont mis d'accord. Il vivra ici avec Sylvie Rivet, qu'il a rencontrée à Paris, et qui lui a fait découvrir ce petit paradis de la Côte d'Azur. Je les ai rencontrés à l'époque où Jacques venait faire des breaks, en quelque sorte, dans cette maison où il était effectivement... Pour lui, c'était le refuge, quoi. C'était le refuge où il était... Il avait quitté Paris, quitté toutes les interviews, quitté les paparazzi, quitté tout ce qu'il a fait aussi son vrai nom. Amsterdam, Mathilde, Jeff, Fernand, les bonbons seront finalisés par Jacques Brel dans cette petite maison aujourd'hui rénovée. Au départ, c'était une maison de pêcheurs et en fait, là, elle est tout à fait transformée par rapport à l'époque que j'ai connue. Il y avait une grande pièce en bas avec une cheminée, ce qui était très important pour Jacques, il aimait beaucoup. Et juste des toilettes et une cuisine. C'était vraiment réduit au minimum. Et la chambre et la salle de bain étaient au premier, mais on y accédait par l'extérieur. C'était vraiment une petite maison et c'est ce qui plaisait aussi beaucoup à Jacques. C'était pas quelque chose de somptueux, il était tout à fait à l'opposé de ce genre de choses. Sylvie a eu l'idée de faire construire ce cabanon qui est en bois simplement, qui d'ailleurs s'appelait, autant que je me souvienne, Thon.
Théoen, pour que Jacques ait un endroit à lui dans cette maison où il pouvait écrire, où il pouvait se retirer encore plus, si je peux dire, de cette maison pour être tout seul avec lui-même et écrire. Et c'était vraiment l'endroit qui lui était destiné à lui seulement, quoi. Jacques Brel cherche souvent l'intimité de son cabanon. Il se laisse bercer par les notes de Ravel et il compose. Il écrit des chansons, mais aussi des lettres à ses filles et à sa femme, Miche. Tu méritais surtout plus d'amour, mamie. Alors que je n'arrive qu'à te donner toute la gentillesse et la tendresse dont je suis capable. 100 fois j'ai attendu de toi une phrase me disant que tu aimerais mieux me quitter. Mais peut-être es-tu moins malheureuse que je ne l'imagine. Peut-être aussi n'as-tu pas comme moi ce double besoin de se brûler en amour et qui tue certains hommes. Mais au fond, peut-être sommes-nous maintenant au-dessus, ou plutôt par-delà l'amour, complices, gentils et tendres. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Je pense que la maison de sa vie, c'est celle de son enfance et de son adolescence, certainement. Mais c'était certainement en Belgique, la vraie maison qu'il a eue. Ici a été celle ensuite qui a été sans doute la plus habitée par Jacques, mais Jacques n'habitait nulle part, hein. Il habitait dans sa valise. Jacques Brel a habité plus de 80 maisons ou appartements dans sa vie. Il dit « L'homme est nomade, je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline ». Il est né le 8 avril 1929 dans la région de Bruxelles. Un an avant sa naissance, ses parents, Romain et Lisette, rentrent du Congo belge. Pour faire face à la crise qui sévit en Europe, son père s'associe à son beau-frère dans une entreprise de cartonnerie. Jacques a déjà un grand frère, Pierre, de 6 ans son aîné. Ils sont proches et complices. Jacques est un enfant rêveur qui s'ennuie dans un monde d'adultes. Jacques ne s'intéresse à aucun cours. Il faut être honnête, disons que ses préférences iront de toute façon vers l'histoire ou la composition française. Il fait de très très belles rédactions. Ses rédactions sont toujours lues en classe parce que c'est très bien écrit, très bien expliqué. Ce que le professeur ne dit pas, c'est que c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc à un moment donné, les bulletins sont de plus en plus épouvantables. Jacques recommence chaque année avec des élèves à côté de lui qui sont de plus en plus petits. Ses camarades de classe ont bientôt 3, 4, 5 ans de moins que lui. Et un jour, le collège dit aux parents, écoutez, là, il faudra trouver une autre solution. Et à ce moment-là, eh bien, il est donc décidé que Jacques irait travailler à l'usine paternelle, à l'usine de carton. Mon enfance passa grisaille en silence. Heureusement, Jacques Brel découvre la Franche Cordée, une association de jeunesse catholique. Il entre dans la section divertissement. Il commence à chanter et compose quelques chansons. C'est là que Jacques rencontre Thérèse, que l'on appelle Miche. C'est la naissance d'une belle relation d'amitié tournée vers les autres, qui se transforme doucement en histoire d'amour. Ils se marient et donnent naissance à la première de leurs 3 filles, Chantal. En février 1953, Jacques Brel enregistre un premier disque qu'il envoie à l'illustre découvreur de talent parisien, Jacques Canetti. Mais tous les jours, Jacques travaille à la cartonnerie de son père. Jacques est de plus en plus triste et il a l'impression qu'aujourd'hui ressemble à demain et ressemble à l'avenir. Et pour lui, c'est impensable. Mais surtout, surtout, au-delà de cet ennui, c'est « je n'ai rien fait pour arriver là ». Jacques et Miche se parlent longuement. C'est décidé. Brel quitte l'entreprise de cartonnerie et va tenter sa chance à Paris. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi.
Et là, il va devoir commencer à courir partout pour se faire connaître et passer des auditions, téléphoner, attendre, rater des rendez-vous, voir qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Bref, découvrir ce monde du musical à Paris. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 ans, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Et il faisait quelquefois 3, 4 cabarets par jour, par lui plutôt. Il allait de l'un à l'autre, il chantait 2-3 chansons, c'était tout. Il était pratiquement inconnu, les gens ne s'occupaient pas de lui. Dans les cabarets, on fumait, on mangeait, on buvait souvent. Et on n'écoutait pas le chanteur. Et il va dormir à droite et à gauche. Il en arrive même à s'installer en février 1954 dans un studio de danse où il peut aller dormir le soir après les cours, mais où il doit dégager la place parce que les cours reprennent. Mais Brassens croit en lui. Dans les lettres que Jacques envoie à ma mère à ce moment-là, il dit à quel point il est tellement heureux que Brassens puisse lui dire « Allez, tiens bon, parce que tu vas voir, un jour, tu y arriveras. » Jacques Brel va faire des rencontres décisives pour la musique, Gérard Joannest et François Robert, et pour tout le reste, assistant, régisseur, conseiller et surtout son ami, Georges Pasquier, dit Jojo. Jacques Brel fait sa première grande tournée d'été en 1956. À partir de ce moment-là, le rythme de ses déplacements devient frénétique. Il n'aimait pas les relâches, il ne voulait pas, il voulait travailler. Alors j'étais obligé de tricher avec lui. Quelquefois, je dis non, il n'y a rien là pendant 8 jours, 10 jours, pour qu'il puisse se reposer. Autrement, il pouvait travailler tous les jours en faisant des exploits de 300, 500 kilomètres, 1000 kilomètres s'il fallait. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, une fois, il était un peu en retard. Il a décidé de prendre un petit avion. C'était le Gardant avec Paul Lepense qui l'a emmené de l'Alsace à Biarritz. Et c'est là où il a découvert l'avion. C'était formidable. Il a commencé à apprendre, à piloter, il a passé ses diplômes, et puis après il a été à Genève, et devenu IFR, c'est-à-dire pilote professionnel. Et on partait comme ça un peu à l'aventure. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Jacques Brel écrit... Quand je ne chante pas, je fais de l'avion ou j'en rêve. Ce qui est beau, c'est de dépasser les lois de la physique, c'est de faire du rase-motte dans les nuages. On trouve des routes, on suit des avenues, on se perd. Ce Vasmer a appartenu à Jacques Brel. Les traces de vol presque quotidiens de Jacques figurent sur le carnet de route de l'avion. Dès qu'il le peut, il rentre à Bruxelles. Il revient, il prend un bon bain chez nous, il mange les plats qu'il aime, il voit Mich, il embrasse ses filles et puis il repart. Il revenait en avion, il faisait 3 ou 4 passages là, très bas, tous nous, on était là, on disait « Ah, ça y est, il arrive !» Et Sylvie savait qu'elle avait juste le temps d'aller le récupérer. Son avion était à Cannes-la-Bocca, donc ça faisait un petit peu loin. Je l'ai connu d'abord à Paris, en tant que le chanteur qui était en train de devenir merveilleusement à la mode. Et puis le grand bonheur, c'est de le retrouver ici, en voisin. Alors quand c'était le soir, ça commençait à partir de 9h30. Il fallait tout de même que la nuit soit tombée. Et alors, on se retrouvait ici, sur cette grande table qu'il y avait là. Et comme le soir, il avait toujours froid, on faisait le feu dans la cheminée, et alors chacun s'attroupait, le saucisson, le ceci, le cela. Jacques faisait la cuisine, il aimait beaucoup faire la cuisine, et c'était d'ailleurs très sympathique, parce que c'était complètement amical, non formel. Il recevait ici les gens qu'il aimait bien, en fait. Et il n'y avait pas un défilé permanent. Jacques Brel et Sylvie Rivet entretiennent de belles relations d'amitié avec les habitants de la plage Cabé, particulièrement avec Fernand, le propriétaire de l'hôtel du Golfe Bleu avec qui Jacques part régulièrement à la pêche. Ce sont peut-être ces escapades matinales qui ont donné à Jacques Brel le goût du bateau. En fait, Jacques a commencé à naviguer à partir du moment où il a été ici, où nous avions un bateau en commun avec mon mari, Sylvie et Jacques. Et ce bateau était amarré à Menton,
Sylvie, la navigation n'était pas son truc, si je peux dire. Elle accompagnait Jacques parce qu'elle savait qu'il aimait beaucoup ça, mais la navigation, s'il n'y avait pas trop de vent, pas trop de vagues, ça allait. Mais c'était plutôt une intellectuelle. Elle a certainement pas fait découvrir, mais fait appréhender un certain nombre de livres à Jacques. Il n'aurait peut-être pas lu autrement, encore que Jacques avait quand même un esprit extrêmement découvreur de tas de choses. Mais je crois que sur ce plan-là, effectivement, il y avait une proximité. Jacques et Sylvie coulent des jours heureux à Roquebrune. En 1964, Jacques tient à vendre pour une somme symbolique la maison à Sylvie. Ils organisent quelques travaux pour la rendre plus confortable. Jacques tient particulièrement à la fenêtre de sa chambre à coucher. Il fallait agrandir absolument cette fenêtre parce que de son lit, il fallait qu'il voie la mer. S'il ne voyait pas la mer de son lit, ça aurait été un sacrilège d'avoir cette chance d'être ici et de ne pas voir la mer. Jacques continue ses tournées à un rythme soutenu. Respectueux des personnes qui souhaitent venir l'écouter, il demande à Charlet Marouani de réduire le prix des billets pour permettre à tous de venir à ses concerts. Avant d'entrer sur scène, le trac le fait souvent vomir. Depuis toujours, il est attiré par la nuit. Les soirées s'étirent jusqu'à l'aube. Entouré de ses amis, il se consume, boit et fume beaucoup. Il refait le monde, parle de ses idéaux, de ses étonnements et de ses rêves. Mais Brel crie ses silences, sa solitude, et déteste cette vie de vedette acclamée, poursuivie, signant des autographes. Il dit « Ce n'est pas normal de chanter en public, c'est normal de chanter dans sa salle de bain parce qu'on est heureux, mais en public, non ». En 1966, il décide de mettre un terme à ses tours de chant. Quand il a décidé d'arrêter de travailler, il me dit « Qu'est-ce qu'on a en vue ?» Je lui dis, il y avait un Olympia, il y avait une tournée. Il dit « Bon, j'accepte de continuer tout ce que tu as, les accords que tu as donnés, mais à condition que je fasse 15 jours à l'échelle de Jacob et 15 jours à la Villa d'Es. » C'était deux des cabarets qu'il avait aidés à ses débuts. Et quand j'ai été voir les patrons réciproques, il m'a dit « Mais Jacques Brel, chez moi, vous plaisantez. Ça vaut des fortunes colossales, tout le monde le réclame, on sait qu'il va arrêter. » Et Jacques m'a dit « Tu leur demandes 500 francs, y compris les musiciens. » Tellement complet qu'un des musiciens était à l'extérieur de l'échelle de Jacob, il ne pouvait même pas entrer tellement il y avait du monde. C'était génial. Et de voir cette reconnaissance, c'est... je crois qu'on ne voit pas souvent ça. Et lui me disait « Mais je suis un homme comme tout le monde. » Et je lui disais « Non, non. Tu n'es pas un homme comme tout le monde. » Et c'est pas un homme comme tout le monde, ça c'est vrai. Je pense que c'est un être tout à fait... enfin, que je perçois comme assez exceptionnel. Je me dis que j'ai eu le privilège de le rencontrer et de le rencontrer autrement, de rencontrer l'homme. Mais en plus de l'artiste, si je peux dire. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs. Passionné par les mots, Jacques Brel arrête les concerts mais continue à écrire. Il adapte une comédie musicale américaine, Don Quichotte de la Mancha, dont est tirée cette merveilleuse chanson, La Quête. Et dès qu'il le peut, il part sur son bateau. Aimer jusqu'à la déchirure. Je pense que tout a commencé sur le bateau, on va dire. On a navigué vraiment ensemble, on s'est trouvé entortillé dans les voiles quelquefois. Et je pense que ça a été un élément, pas décisif, mais très très important, qui a fait qu'on est tombé amoureux. Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Je connaissais Sylvie, Jacques connaissait mon mari, donc c'était quand même une situation très difficile à gérer, si je peux dire, parce que il y avait une sorte, une forme, quelque part, de trahison d'une amitié, aussi bien pour moi que pour Jacques. Monique divorce et perd la garde de son fils. Jacques quitte Sylvie
et s'installe avec Monique à Menton. Sylvie reste seule dans le cabanon. Ce qui a été très difficile pour nous, c'est que nous fallait encadrer Sylvie parce que ça allait très très mal. Parce que tous les soirs, elle nous disait « Il va venir. Ce soir, il va venir. » Et Jacques n'est pas revenu. Jacques se lance dans le cinéma. Il tourne avec Lelouch, Molinaro et il réalise ses propres films, dont France avec Barbara et Le Far West. La critique cinglante de ce dernier film blesse Jacques, qui se sent fatigué. Il décide de partir pour une longue traversée de l'Atlantique sur son voilier, la Skoï. Il m'a proposé de partir avec lui. J'ai pris la décision de ne pas partir. C'était trop difficile. J'ai eu un divorce extrêmement difficile et je ne pouvais pas imposer une séparation avec mon fils en plus de ce qu'il avait vécu. Il fallait choisir entre un homme et un enfant, j'ai choisi l'enfant. Il m'a demandé de l'accompagner dans un tour du monde qui aurait dû durer 3 ans. Il m'a dit, mais ne donne pas ta réponse tout de suite. Réfléchis, attends quelques jours et dis-moi ce que tu en penses. Et donc, j'ai dit oui, bien évidemment. Très, très, très heureuse de partir avec lui pour ce tour du monde. Une île au large de l'amour, posée sur l'autel de la mer. France pense partir seule avec son père. Mais au moment du départ, elle le découvre accompagné de Madly, une jeune femme rencontrée pendant le tournage du film de Claude Lelouch, L'aventure, c'est l'aventure. Quand on est sur un bateau, très très vite, on apprend à se connaître. Mais ce qui m'a vraiment quand même étonnée de la part de Jacques, parce que ça, je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'était un homme qui chantait la liberté et qui la pratiquait. Mais quand il a commencé à me donner en secret, en cachette, en toute discrétion, des lettres que je devais poster en toute discrétion, sans que les autres puissent voir quoi que ce soit, je me suis quand même posé 2-3 questions. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. Je suis un aventurier et c'est donc dans l'aventure et le mouvement que je tente de retrouver mon équilibre. Je ne veux pas devenir un vieux con, grave et lugubre. Bien sûr, je vais revenir. Je ne sais pas quand ni où, mais ne t'y trompe pas, je suis près de toi. Ce n'est qu'après que j'ai compris qu'en fait, ces lettres étaient adressées à Monique. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Il m'appelle en disant, Charlie, je suis aux Canaries, j'ai eu un malaise. Alors, je prends l'avion, je vais à Genève. J'ai pris l'avion moi-même de Paris, je suis arrivé avant lui à Genève, j'attendais au bas de l'avion, à l'époque c'était possible, et on était à la clinique. Et là, au bout de 2 jours, avec tous les examens, le verdict est tombé, cancer du poumon. Et il a décidé de se faire opérer par un ami à lui. Ça s'est bien passé. Et quand il revient de l'hôpital, mon père a changé. Moi qui connaissais mon père comme quelqu'un qui était une personne, une nature, un être humain qui va vers l'autre, qui donne de soi tout d'un coup, il y a un mouvement de recul. Et je suis un peu décontenancée parce que ce n'est plus du tout l'homme que j'avais connu avant. Il lui a l'air en pleine acceptation de ce qui lui arrive et n'a plus envie de faire d'efforts. Et donc quand on arrive à Fort-de-France, il me dit cette phrase en disant « Ou bien tu rigoles comme avant, ou bien tu débarques. » Et j'ai préféré débarquer. Avec le recul, je suis heureuse d'être partie. Le drame des enfants, c'est qu'ils attendent que leur père soit un père. Et ça n'existe pas. Il y a juste des êtres humains qui font juste ce qu'ils peuvent. Et Jacques, il a fait ce qu'il a pu. Jacques repart pour son tour du monde avec Madly. Ils s'arrêteront au Marquis sur l'île de Ivaoa. Là-bas, personne ne le connaît. Il vit en homme simple et continue à ouvrir ses cahiers pour raconter des histoires. En 1977, il revient en France pour enregistrer son dernier album, Les Marquises, qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires le jour de sa sortie. Il repart dans son île, négligeant sa santé. Il dit « Brel, c'est du bronze ». Pourtant, il meurt 1 an plus tard à l'âge de 49 ans. Il ne reverra Monique qu'une seule fois après son départ de Menton lors de l'enterrement de son meilleur ami, Jojo.
Il la croise dans un aéroport et lui écrit cette magnifique chanson. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Il y a des gens qui marquent tellement qu'on ne peut pas effacer comme ça. C'est quelque chose qui a, moi, en tout cas, changé complètement ma vie, c'est sûr. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.